trou. Bon. Merci, merci. Qu'est-ce qu'il est? Si vous souhaitez fouler vous-même la reine du Colisée, n'hésitez pas à vous adapter. Les autres cherchent à l'extérieur. Fouillons cette zone. Il est là! Chopez-le! Il revient. Je suis désolé. Oh, laisse-moi courir. Il est là. Il est où? Où est-ce qu'il est? Je l'ai paumé. Tu l'as vu? Alors, vous avez pas retrouvé le chat? Et il est pas là en tout cas. Ah. Il est sûrement caché quelque part. Cherchez un joli souvenir. Réussi? Ça s'est bien passé. Malheureusement, de mon côté, j'ai pas encore trouvé le chat. Bu. Laisse-moi tranquille. Mais pourquoi? Soyez les bienvenus sur la place centrale. Le mec dans le costume. Casse tout. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Ah non. J'ai cru qu'il y avait un coffre. Ah bah il y en a un là. Quoi de cristal? Comme un ami. Tu nous as bien bernés. Barrette, non! Fais pas ça! T'as raison, ça serait gâcher des balles. Explique-nous. T'étais un espion? T'es vraiment un salaud! On n'aurait jamais dû croire un membre de la Shinra! On n'a plus rien à faire avec ce traître. Pas ça.
Ah, tu nous as vendu, hein. Je le savais, depuis le début, que ça finirait sûrement comme ça. Je crois que je me suis peut-être un peu trop attachée. Quel sale chat! J'en reviens toujours pas! Et si ça se trouve, il a obtenu une promotion. Vous vous rendez compte qu'il s'est complètement moqué de nous depuis le début? Quand je repense à comment il nous a roulés, ça me fait encore plus en rogne! Aerys, quelque chose ne va pas. Non, c'est juste que je pensais qu'on pouvait lui faire confiance. Allez, oublions-le. On fait quoi maintenant? À tous les coups, la Shinra aussi est à la recherche de la matéria noire. Il faut vite qu'on les rattrape. Non mais t'en as de bonne, toi. Comment tu veux faire? Le seul qui savait où se trouve le temple, c'était Ketsit. Pas vrai? Je ne sais rien pour le temple. Mais on peut retrouver l'hélicoptère des Turcs. Vraiment? Je connais la fréquence qu'ils utilisent. Si on écoute leur communication, on saura où ils vont. S'il faut une radio, il y en a une dans le Tiny Bronco. Bah. Et ben voilà! Ok, je pars devant pour tout préparer. Allez! Tout n'est pas encore perdu. Partons à la recherche du temple. La matéria noire, c'est nous qui l'aurons. Oh, Gob. Salut les amis, ici Gob le Kid, votre descendant des gobelins préférés. Désolé de vous avoir fait attendre, j'ai fini de préparer la prochaine épreuve. Si vous voulez toujours le trésor du désert, venez à la forteresse du mini-réacteur numéro 3. Je vous y attends, à plus. On va enfin pouvoir reprendre la chasse au trésor. Mais il était temps. Et une nouvelle clé. Ok, c'est ici. Déjà, faut rentrer. Et maintenant, on cherche le rocher cactus. Ok, là-bas. Le biggie. À gauche. Yes. Oh. Comment on descend? Je
qui va faire l'épreuve. Explose. Ah, c'est vrai, ça te caille. Aïe aïe aïe. Ça se présente pas. Je vous aime. Pour nous, mais bon. Alors. Mettre sa porte de ce côté là. Qu'est-ce que vous vous foutez là ? Le Don a pourtant toujours été aux petits soins avec vous. C'est comme ça que vous le remerciez de sa générosité ? Vous avez vraiment pas de cœur. Hein ? Vous avez du culot de dire ça. Vous les avez utilisés comme de la chair à canon. Bon, bah maintenant, vous savez ce qui vous attend. Vous n'êtes clairement pas digne de recevoir le trésor du désert. J'ai des invités. Vous voulez bien nous laisser? Qu'est-ce que tu fous ici? Non mais c'est de votre faute si je suis là! Je te rappelle que vous avez bousillé tous mes projets! Après avoir été injustement chassé du Gold Saucer, le pauvre Don et nous-mêmes avons erré dans cet affreux désert et nous sommes réfugiés ici. Tout ce que nous voulions, c'était simplement nous reposer un petit peu.
Ces vauriens nous ont agressés. Vous vouliez vous emparer du trésor du désert. Vous n'avez eu que ce que vous méritez. Petit insolent! Don Corneo mérite de recevoir tous les trésors et toutes les richesses du monde entier. Pour accomplir son rêve de construire Corneoland, il lui faut beaucoup de fonds. Ce trésor, je le veux! Il est pour moi, point c'est tout! Je le veux! C'est le mien! Je le veux! 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 Don! Allons-nous-en pour le moment. Une fois que ces rats auront obtenu le trésor, on n'aura qu'à les attaquer pour nous en emparer. La famille Corneo se retire pour l'instant. Au revoir. Bye bye. Ouais, c'est ça, cassez-vous. Petit contretemps. Maintenant qu'ils sont enfin partis, passons à l'épreuve. Ok, allons-y. Je vous ai préparé une surprise très spéciale. Alors c'est ça ta surprise? Ils sont juste d'une autre couleur. Cloud, ces pampas sont des spécimens mutants. Ils sont tellement rares qu'ils sont considérés comme de véritables héros par les autres pampas. Je compte sur vous pour récolter des données de combat. Sur ce, que la troisième épreuve commence. Ah, ça va être tranquille. Normalement. Faut 2000 quand même. Pas du tout rouleau. J'ai plus le double.
encore des nouveaux. Oui. Oui. Spectacle, je suis vraiment impressionné. Il y a quatre parties au total, c'est bien ça? Exactement. La dernière est dans le mini-réacteur numéro 4. Si tu penses être le propriétaire légitime du trésor, il va falloir le prouver dans la dernière épreuve. Mais pas de soucis. Elle est où? C'est loin. Ça vite. Il ne reste qu'un rocher cactus à trouver. Le trésor nous attend. Encore un petit effort. Il est fou là-bas. Thank you.
Pourquoi il y a un camion ? Camion de contrôle. Ah oui. C'est un trésor. Au-dessus ? Ah, ce sera peut-être plus vers là. Il va falloir descendre. Il y a le bail chocobo. On voit des cactus. Sauter. Ah, j'ai oublié de mettre son arme. Pour vous.
Oui, forcément. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. J'espère que je ne vous dérange pas. J'ai continué à déchiffrer le livre du souverain de vos côtés. Le trésor du désert aurait échoué ici en provenance d'un autre monde. Et à en croire ses écritures sacrées, son propriétaire légitime serait un bretteur légendaire. Un bretteur légendaire? Oui, c'est pour cette raison que Gob et les Pampas vous font passer ces épreuves. Apparemment, ils veulent tester votre valeur. D'accord. Pour votre dernière épreuve, les Pampas sont en train de se rassembler via des tunnels souterrains. Vous devrez sans doute les affronter tous. Mais j'ai foi en vous. Je sais que vous vous en sortirez. Je vous souhaite bon courage. Bon. En route. Hop. Iris, s'il vous plaît. C'était une galère. Bienvenue. La dernière épreuve vous attend. Vous avez dû affronter de nombreux pampas avant de pouvoir enfin arriver jusqu'ici. Pour citer le livre du souverain, c'est d'un autre monde que nous est parvenu le trésor du désert. Il a pour légitime propriétaire un bretteur légendaire. Nous avons protégé le trésor de génération en génération par foi en ses écritures sacrées. Se pourrait-il que le bretteur de la légende soit effectivement l'un d'entre vous? Non. Ce sont nos gardiens les plus forts et les plus coriaces. Si vous parvenez à accomplir l'exploit de les vaincre, vous nous aurez prouvé que vous êtes digne de recevoir le trésor. Et maintenant, que commence la dernière épreuve. Pourquoi? Accumule la magie à ce moment-là. Oh.
Non, trop loin. Oh mais il me ramène que ça sent. Ah. Ah mais casse-toi. Jamais. C'est tellement... Oh. L'angoisse. Et plus vite. Faut attendre. Allez, go 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 go. Thank you.
Ok, 2000, c'est bon. Que peut-être le 3000, hein. Pas. Je vais être mort. Ouais, parfait. Ouais, c'est cool. Bravo. Vous m'en avez mis plein la vue. Vous êtes bien le bretteur légendaire et ses amis, comme dans la prophétie du livre du souverain. Mais en fait, j'aurais encore une dernière faveur à te demander. Fini de rigoler! Ah. Oh non! On bouge plus maintenant! On s'en tape de votre prêteur légendaire et de votre prophétie. Le seul qui mérite le trésor, c'est notre grand Don Corneo, compris? C'est pas vous, bande de nazes! Alors maintenant, vous allez passer ce trésor sans faire d'histoire! Et je vous ordonne de me le remettre. Quelqu'un veut bien m'expliquer? Reculez! C'est notre rôle de protéger le trésor du désert. Que vous allez vous en tirer comme ça! Je sais déjà où je vais installer mon nouveau QG! Je vais rebâtir un empire encore plus puissant! Et alors là... Et alors là, vous verrez, c'est moi qui vous écrabouillerai! Vous allez le regretter! Maintenant, pour en revenir à la faveur que j'allais te demander, tu voudrais bien te battre contre moi? J'aimerais me mesurer au bretteur légendaire, pour voir ce que je vaux contre le meilleur. Si tu veux. Tu en veux un? En route. Bien joué. Par sécurité. Nos faiblesses contre cœur et sa riposte. Tout, faut que je me saisisse.
Colpi. Break. Ouh là 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 là. Me OS. C'est du tout relou. Hop. Ah. Non, pas ici d'ailleurs. Là. Tu peux t'en charger? Je compte sur toi. Il a tellement de PV. Et en plus, c'est ce soin. Eh, full break. Pas moins du bretteur de légende qui a surpassé toutes les épreuves. Il n'y a aucun doute, tu as bien mérité le trésor du désert. Nous avons rempli notre mission. À partir de maintenant, nous allons écrire notre propre histoire. Tant mieux. Bon courage à vous. Si jamais on se recroise, je compte sur toi pour le match de revanche. Ok. Or vers de nouveaux horizons. Ah oui, il y a le... Ouais, Coral 100%. Alors, ça fait quoi? On les a tous. Qu'est-ce qui se passe? Ça recommence. Alors, ce géant de sable dans le désert, c'était toi? Attiré par l'appel de Genji, là-bas j'errais. Bien que j'eus préféré me perdre dans un endroit plus frais. C'était bien moi. Approche et trinquons sous la pleine lune. Sans façon. Et moi qui m'efforce d'être un bon hôte, n'as-tu aucun goût pour les plaisirs de la vie? En fin de compte, tu n'es qu'un voleur. Un voleur? Un scélérat de la pire espèce qui a usurpé les pièces de mon armure, l'une après l'autre.
Tu sais de quoi je parle. Tu en as 6. Le casque, le plastron, les gantelets et les jambières. Quant à moi, j'ai la dernière pièce en ma possession. Admire donc le bouclier Genji. C'est une proto-relique, ça aussi? Cesse d'employer ce terme. C'est l'équipement Genji. Quand j'aurai réuni les 7 pièces de mon armure, je recouvrerai tous mes souvenirs. Et alors, je saurai d'où je viens, où je vais et ce que je fais ici. Écoute bien, je te défie solennellement en duel, dont Genji sera en jeu. C'est une convocation du prêteur légendaire Gilgamesh. Et le lieu de notre combat sera... la grandiose île de Gilgamesh. Tu t'imagines petite île, tout ça. Elle est là-haut. Un terrible défi nous attend. Oh, il y en a 4. Quoique.